pense que le convoi sera composé de l'infanterie, donc on aura un oural par équipe d'infanterie. Je pense qu'on va sortir, on va emprunter les routes, traverser Selakano, pardon, et suivre la route jusqu'à à peu près, je vais mettre un point d'arrêt, je pense. Ici. L'idée, ça va être d'aller sur Taquin pour l'infanterie à patte. Le blindé restera, je pense, en retrait à ce moment-là. C'est juste de s'assurer un premier visuel sur les positions qu'on va occuper par la suite. Donc, à savoir, TAC 2 et TAC 3 sont des points plutôt de repli pour l'infanterie. Seront déployés sur POV1 et POV2. Donc, c'est tout simplement les bâtiments les plus proches. C'est plus à titre indicatif qu'autre chose. Donc l'idée c'est d'avoir Hussard sur POV1, Cosaque sur POV2 et Moscou qui sera déployé au niveau du transfo. J'ai mis la flèche à peu près pour indiquer la crête qu'il faudra gravir, donc la crête 61, pour obtenir un visuel. Normalement, si vous êtes sur transfo, vous êtes à l'abri de tout opposant. L'idée, ça va être de prendre ses positions pour identifier le plus rapidement possible où se trouve la base ennemie. Et à partir de là, je pense que on redéploiera une des deux équipes d'infanterie auprès de l'autre et on mènera un assaut à partir de la position, donc soit POV1, soit POV2, selon ce qui nous semble le plus profitable. Pas beaucoup d'autres points d'intérêt à indiquer. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? T'en fous, c'est ça? Non, non. Non, non, pas de question, t'es très clair. Ok. Tu veux qu'on note des... tu veux que je note des points d'intérêt? Et ouais, si vous en trouvez, ouais, parce que c'est vrai que moi Je vais en je. mettre plein, comme ça, t'auras de quoi te référer si t'as besoin. Après, ça dépend si tu veux des points d'intérêt intéressants ou des points d'intérêt pas intéressants. Des points de repère, je mets, moi. Voilà. Au point de repère ou point d'intérêt. J'ai pas mal de mal à me visualiser en fait à quoi ça va ressembler le relief. Merde, je suis pas en train de les mettre dans le mauvais groupe? Bah si, parce que je suis con. Oui, je pense. Je change de couleur aussi. Ouais. Taquin, ça sera certainement vraiment la position de repli en dernier recours. Je pense que c'est une bonne position pour tenir si vraiment on est dans une mauvaise situation. TAC 2 et TAC 3, c'est vraiment plus provisoire. Ça sera, je pense, des points en cas de léger accrochage, quoi. Mais après, ça a l'air d'être vraiment trois cabanes isolées à chaque fois. Pas d'axe de progression là. Je pense vraiment qu'on va engager depuis les hauteurs et puis on descendra en laissant le blindé en support au-dessus, on descendra sur zone. Le blindé, je pense que ça va faire la chose suivante. Vous allez partir d'insertion, vous arrêtez sur halt, l'infanterie va prendre Taquin. Dès que ça sera fait ou que ça sera quasiment fini, vous irez au sud de Taquin sur la route. Et une fois que l'infanterie se sera mise en position, l'une sur TAC 3 ou même déjà POV2 et l'autre sur TAC 2, vous rejoindrez celle qui a été sur TAC 2, donc Hussard pour rappel. Enfin, TAC 2 transfo, bon, c'est juste à côté, vous voyez l'idée. Et ensuite, on attend vraiment d'abord l'infanterie qui sort sa tête pour obtenir un visuel. Et ensuite, selon ce qu'on aura comme rapport, ça sera à vous de franchir votre crête qui se trouve à l'ouest de Transfo. Okay.
À terme, je vois bien finir le tank sur POV1 avec l'infanterie qui descend. Faudrait vraiment que la base soit vraiment excentrée sur l'est pour qu'on prenne l'axe POV2, je pense. Enfin, on verra. S'il n'y a pas plus de questions que ça. Non, soit vraiment excentré sur l'est pour aller sur POV2. Moi, je crois que même de POV1, on aura un bon visuel sur la vallée qui sera en face de nous. Donc, je pense qu'on n'aurait pas de raison vraiment d'aller sur POV2 puisque ce serait encore en contrebas comparé à la zone où ça peut être. Non, Ouais. POV1, ce sera bien. Ouais. Non, c'est le seul intérêt de POV2, c'est un chouïa plus haut, puis t'es plus proche de la limite, donc t'as non, je dirais moins de chances de te prendre un truc dans le cul que POV1, mais c'est vrai que dans l'idée. Pour ça, comme c'est les deux points d'intérêt, on va envoyer un. C'est pas la peine de nommer ça que chaque rocher non plus. Hein. Pour dire d'où viennent d'éventuels tirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, on a une 148 aussi, nous. On est des FS ou un truc comme ça, non? Ouais, force spéciale. Bah attends, il y a Sedge qui va déjà sortir. Ural Sud pour Kozak. Il faut que j'inverse mes radios parce que sinon ça va mettre dans la merde à chaque fois que je vais parler à la radio. Oh, t'as changé de tête? Il est beau. T'as des ouais. Pour moi tu es tout roux maintenant. Je roule dans la réalité en plus. Ah ouais. Faut remarquer ce genre de choses. De quoi? Il va remarquer ce genre de choses. Vous. Je regarde comme jamais les le fait que visages. je lave. Ah ouais. Aussi, il faut que c'est. Il le dit à chaque fois, il en est fier. En je suis roux. Et puis Weldrip, ça se voit parce qu'il avait ma tête. C'était très perturbant. Voilà, c'est configuré. Dunko, tu me passes en rouge, s'il te plaît. Ok. Que ce rouge, vous serez devant, bleu, derrière. Qu'est-ce que je vois? La vieille mitrailleur. Weldrip, est-ce que tu as une optique Non. Ouais, j'ai une Weldrid. optique. Enfin, genre des jumelles ou. J'ai une AMP Non, mais remarque, on a des 78. bonnes. On a des bons visas. Hein. On est bien équipé, hein, bordel. Ouais, j'ai une optical sight. Pensez au bouchon d'oreille. 8 fois maxi. CDL, c'est ça. J'ai 4 casse munitions sur moi. On va avoir bonne optique. Et c'est Kozak, on est prêt. Alors, qui va conduire? On n'a pas Babs, il va pas me faire un caca nerveux s'il conduit pas. Ok, toute infanterie embarquée dans mon véhicule. Pour information, le commandement embarque avec Kozak. Ok. Ok, on va avoir le commandement avec nous. Qui veut conduire? Allez, j'y vais. Ok, Waldrick. Et on guide. Bah on embarque, on embarque. On embarque. J'ai la blinde de grenade. Il a un bruit d'avion de chasse, le tank. Donc, à tous, placez-vous en bout sud de la piste de décollage. Ordre Hussard, Kozak, Moscou. On fait demi-tour, on va se mettre au sud okay. La vieille de la piste. On reste sur la piste, mais au sud. Tu te mets en deuxième position, donc derrière l'autre oral. Laisse-le passer, d'ailleurs. Ça roule vite. Ça roule trop vite, ça. De quelle nature le problème? À toi. N'hésite pas à insister si un rapport passe pas, c'est du matériel russe. Hein. Raciste.
C'est limité à 60 km/h ces bidules-là. Ouais, ça roule. Tu peux rouler plus vite ? Non. Avec le turbo, si, un peu plus vite, je pense. Et Hussard, dès que vous êtes prêt, vous pouvez prendre la route jusqu'au point halt. Tu les suis. Tu leur laisses une bonne distance, 50 mètres. Ok. Laisse ton arme, la vieille, tu vas te fatiguer. Ah, peut-être. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. De Cosa qu'on suit. J'en profite pour me familiariser avec ça. Le leader, tu me reçois ? Je reçois. Juste pour te dire, j'ai 3 Rocket Hit, 10 véhicules et une HE entière. Ça fait 10 minutes qu'il lit. Ça fait 10 minutes qu'il lit son mémo de go. Le pire, c'est que c'est vrai parce que j'ai toujours peur d'oublier au moment où je vais lancer ma roquette. Je sais. Donc là, vu que ça fait 1000 fois que je regarde, ça y est, j'ai retenu. Mais toi, au moins, t'as le mérite d'avoir le mémo. Ça, c'est en bas. Il faudrait pas. Enfin, voilà. Il faut limiter les modèles de roquettes parce que si t'en as trop dans les poches, t'es dans la merde en fait. Deux types différents, c'est très bien. Un peu plus. T'as le mérite de les connaître au moins parce que moi, je les sais même pas. Ah bah je fais des altaps, là au début de mission comme ça, je vais direct faire un altap sur le dock Mystery. On passe où là, à droite ou tout droit? C'est à droite, à droite. J'ai un petit carnet à côté de mon écran, à côté de moi là, il faudrait toujours que je note des petits mémos comme ça, quoi, des fiches. Bah, ne serait-ce qu'au niveau RPG, tu l'as pas le dock qu'ils avaient fait là? Ouais, je l'ai plus. Peut-être que je l'ai, mais ça doit être un lien. Je l'ai mis sur le bureau et dès que je joue RPG russe, je le dégaine et c'est magique. J'ai 50 000 marque-poche partout, des liens, des fichiers partout, c'est le bordel. Ah, je vous ferai des petits mémos comme si je révisais pour le bac. Ce que tu peux faire, c'est que tu notes directement. Mets-toi sur la gauche. Sur ton papier peint ou un truc comme ça, les limites. Ouais, sur ton écran, non? Sur mon papier peint. Ouais, pourquoi pas? Il y a eu ça, vous pouvez vous mettre en route sur TAC 1, Cosaque, vous suivez à 100-200 mètres en support. On débarque, on va sur les murets au nord. Quel bruit fait ce machin? Ah, je l'entends peu, moi. Ouais, en ligne. Ok, ordre de position initiale, plan ouest. On est parti, Goya, tu ouvres la marque. Bon, okay. Scarlock, je colle ton équipe parce que t'as un homme de moins, mais t'occupes pas de moi. T'as donné une instruction là, je sais pas. Ouais, Hussard va passer devant pour aller sur ta queue, tu les suis à 100-200 mètres. L'idée c'est que tu restes en support de eux pour l'instant. Ok. Au plus 100 mètres que 200, sinon je pense que tu vas perdre le visu. Enfin, tu fais comme tu le sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brume. Binôme rouge, préparez-vous à partir. On va suivre Hussard. Ok. Yeah. On y va. Bleu, vous suivez, en ligne. Enfin, colonne, quoi. Ah, j'aime bien jouer les Russes. Ils sont beaux leurs uniformes. Quoi, on n'est pas russe là? Si, on est russe hein. Da. Nous être russes, force spéciale vetch. Est-ce qu'on a des pyjamas des pyjamas pas russes? Oui, regarde ton épaule gauche, t'as un joli petit drapeau russe. Par contre, j'ai perdu les copains. Je pense qu'ils sont dans le trou là. Ah ouais, il y a un drapeau russe, mais. Négatif Moscou, vous restez en stand-by. Et j'ai des gants du futur. Sur une surveillance de ouest, halte en haut de la crête.
visuel. Excellent. Ah bon. Conservez les azimuts, on ne regardez pas tous dans le même endroit. Tiens, il est muré là. Oh. Oh punaise. Kaboom déjà. J'espère que c'est pas blindé ça. On s'engage derrière là. Ah si. Merde. Au secours, c'est engagé. Au secours, rapport. Ok, effectivement. Attends, c'est quoi que je vois? Rouge, vous pouvez surveiller sud-ouest. Ok. Et bleu, bah, on va essayer de voir ce qui fait chier notre blindé. On peut monter sur la crête à gauche, non, pour voir. Donc c'est un véhicule qui les aura attaqués. Hussard, si les contacts. Audio-véhicule sud-ouest. Véhicule sud-ouest. Ok, on a perdu notre blindé. Yeehaw. Non, c'est peut-être le blindé qui a tiré. Non, c'est lui qui tire, je pense pas qu'il. Déploie-toi pour engager. C'est pas un bruit d'explosion, ça? Ouais. Tellement tire, pessimiste d'un coup. J'entends du véhicule, hein. Ouest. Il a bien pris Kozak, placez-vous pour essayer de traiter ça. Hussard, essayez de progresser sur Takin et de le prendre. Je suis derrière. Défaut de le traiter, en tout cas de le garder en visuel. Quoi. Ils sont fait engager par quoi okay. Un véhicule, mais j'ai pas plus de précision. Un véhicule sur 6, mais ils ont traité. Oh putain. Et par deux coups sud-ouest. Pour accrocher ça, Kozak. Pas de visu. Ouais. Je sais pas trop où tu veux que je me déplace plus sur la gauche ou sur la droite. Ouais, sur le sud-ouest, je pense. Quand il tire, on dirait une explosion. Ouais, l'idée c'est que ça trop perd. On se déplace à azimut 200 dans les arbres. Ok. Tenko. Ouais. Go, voilà, rouge. On a su des tirs là. Vas-y, on trace parce qu'il y a du monde au sud-ouest là. Oh si, regarde, il y a une grosse colonne de fumée là. Ah, ou c'est peut-être un véhicule qui. Que ont pété. On se focus sur notre boulot. Sur les arbres à gauche. Est. Les murets, pardon. Ok. Faites attention de pas faire de blue on blue. Ça tire sur notre endroit là. L'autre côté les gars. Pour Hussard, si c'est chaud pour vous, essayez de vous décrocher sur le sud. Rouge, essayez d'avoir un visuel côté ouest. Bleu, vous surveillez le sud. On n'avance pas plus. Ouais, ok. Oh, qu'est-ce qu'il y a, tu t'es fait toucher? Ah, ça peut être pas loin. Pas de départ de coup depuis le 300 et aucun visu. On se rapproche, sud-ouest, véhicule ou je sais pas quoi, mais toujours le tank. On a le tank qui approche sur nous, hein, pour info. Kozak essaye de progresser sur Hussard à la smoke 310, il a deux hommes à terre, on va essayer de l'aider. Ok. Le blindé il va arriver sur nos arrières, donc il va checker tout ça. Il va arriver sur la route. On continue de progresser ouest. On se déplace en ligne ce coup-ci, bleu à droite, rouge à gauche. Direction la fumée. C'est parti. Ouest, il y a des murets ouest de l'autre côté de la route. Ok. On va droit sur un véhicule, je crois. T'as 80, on est en face, vous, véhicule. Assurer la surveillance. Dans la crête. Il y a un blindé en face. Ah, vas-y. Bradley 300. 260, ouais. Bah vas-y, ouais, Dunko. Vas-y, t'es clear. Quand tu peux. Je le vois plus. Le reste, on recule. Il est sur la gauche, il se déplace sur la gauche. Sur la droite, en droite. Oh putain. J'ai loupé. On recule derrière les murs et on revient sur nos positions. Oh putain, Dunko à terre. Ouais, Aku, récupère son lanceur. Oh putain, merde. Allongé, tu récupères son lanceur. Il est mort, il a la tête explosée. Oh putain, c'est... Non, c'est notre copain. Ah
Putain. Moment pour Hussard, statut. Il est au niveau de la fumée, le char, là. Ah la vache. Il y a un allié devant, hein, sur le muret, devant la... Ouest-nord-ouest. Ouais, bien pris. Précisément, Azimut... Je vais leur contacter sur la radio. Direct. Azimut 300, il y a un collègue. Putain. Sur... Oh putain, ça a pas pété loin. Les collègues Azimut. C'est sur nous que ça a tiré ? Oui, enfin, c'est... en tout cas, ça a pété juste à côté. Ok, je suis bon. Et de commandement pour quiconque chez Hussard, soyez informé que vous avez des alliés sur votre sud-est. Si vous pouvez vous replier sur cette position, faites-le. Il nous a rushé là le véhicule et il s'est barré. Aucune idée, pas de visu, mais il y a de l'infanterie qui vient sur nous. Azimut. D'après les départs de coups de 80. C'est bien pris, si tu peux te replier sur le sud-est, fais-le, on est juste derrière toi. Changer d'approche. Je vois le nord-ouest, mais je vois rien. Tu veux bien surveiller l'est derrière nous, histoire d'être sûr de ne pas être pris en retard. Non. On voit pas grand chose ici. Oh. On s'est engagé, mais je vois rien du tout. Je t'ai dit, ça devient depuis le 280, mais ouais, on voit rien du tout. Ils sont derrière, ils sont en contrebas de la route. Je pense qu'on va basculer de l'autre côté de la route et on va avancer. On peut aller sur Julien, peut-être. Peut-être qu'on verra mieux là, sous les éoliennes. Ouais. Le T80, retour sur route. Hein. Là, mais... Ok. Je vais faire ça, je vais reculer un brin. Ouais, pardon, j'ai pas confirmé. Ouais, tu peux faire ça. Ouais. C'est l'idée, ouais. On va partir de ce côté-là. Limite 140. On fait 50 mètres. Maintenant. 40. Ok. Ça pète pas loin, bordel. Vas-y, accélère, 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 accélère. Ah, on peut plus couvrir. Ouais, ouais, mais c'est pour mieux remonter. Allez, maintenant on va direct sur les éoliennes. Je vais changer de côté de route. Pas très clair. Arrière droit de Moscou, contact. Planquez-vous derrière le char, planquez-vous derrière le char. Mais non, c'est nous. Non, mais ils ont d'autres contacts. Pour le char, bougez pas, bougez pas. Plein nord, plein nord. Et essaye de pousser jusqu'à l'éolienne Scarlock pour avoir. C'est pas nous qui part. On continue, on va sur les éoliennes. J'ai un autre véhicule vers le sud, il me semble. T'expose pas du sud, Scarlock, mais essaie de ouais, okay. Pour avoir un visuel sur le nord. Oh, à coup, véhicule, 320. Oh, c'est bon, le blindé l'a eu. Tant mieux, parce que je sais pas me servir de ce putain de bordel là. On monte pas jusqu'en haut. Ok, y'a rien sur la gauche. Ouf. 340 et demi en progression, 300 mètres. C'est fait à volonté là. Tu m'entends, Nad? Ouais, vous vous engagez. Ouais. Ouais. On se met à la crête. On se met à la crête avant d'engager. 340, les mecs qui sont en défilant à gauche, c'est. Droite. Défilant droit. Il y a l'air d'avoir un campement. Véhicule, véhicule. Ouais. Véhicule en 300 depuis Juliette, il est à 500 mètres. Bon, c'est bon, ils l'ont abattu. Non, oh, non il, merde. Il est pas si abattu que ça. Les mecs en 340, ils sont où par rapport au feu là? Oh putain, mais ça nous tape dessus là. Donc on parle bien d'ennemis qui seraient situés à gauche de la tour d'observation. Sur la position de ouais, il y a une tour d'observation à 340 aussi. Ouais. Y a pas un sniper 340 là-dedans. Y a pas un sniper là-dedans, derrière la fumée, ouais. Ouais, tout ça là, l'espèce de campement militaire, il y avait du monde dedans. Un peu sur la route, et à gauche, au parallèle de Juliette. À gauche, dans les arbres, ça bouge, c'est ami ou ennemi?
Enfin, dans les buissons. Sur ma grosse, c'est ennemi là-bas. D'accord. Ouais, c'est ennemi ça. Vas-y, ouais. J'espère que j'ai des traçantes. Encore sur la gauche, hein, y a du monde. Ah, bien joué. Commandement pour Hussard, passer derrière l'équipe de Cossack et essayer de rejoindre le point India. C'est quasiment tout le truc de l'EVAB, je sais même pas ce qui s'est vraiment passé. On contourne. J'ai plus de 18. Derrière, on continue un petit peu. On va rien bouger sur là-bas, sur place. Je crois qu'on les a dégommés. Commandement pour Moscou, pour l'instant n'allez pas plus loin que le coude de route qui se trouve à l'est du point transfo. En ligne, direction ouest. Je crois que nous les avons dégommés. Ah, bien joué. Froggy? C'est accent bien cliché. C'est Weldrid? Weldrid? Ouais. Oui. Ok. Je t'entendais pas, j'avais... Présent. Je sais pas si t'as bien entendu ce que j'étais en train de faire, Scarlock. Véhicule, t'as... véhicule, devant le camp, derrière le feu. En approche sur le flanc droit du char. Ah, vu. C'est un transporteur. Ils l'ont vu. Ouais, ils l'ont vu. Le camp au nord, c'est taquin, c'est pas un camp. Oui, c'est taquin. Ouais. Ok, ça vomit du monde, je tire. Ouais, ça va être taquin. Contact arrière, en contact arrière. On retourne. 40. Ah, j'ai mis de 40, j'ai mis de 40. Deux ennemis sur la crête. J'ai un coup devant moi, je déplace. Traité. C'est bon, les deux sont traités. Aku, tu t'occupes de ça, tu surveilles nos arrières. Ça marche. Le reste, on retourne sur le côté ouest. Bleu, donc bleu côté ouest. Et commandement pour Hussard annoncer des compositions sur India. Donc, prochain bon, Scarlock, ce sera sur Hotel, en passant en dessous de, au sud de India. Ok. Je fais sud et après j'irai ouest. Ok. On attend juste qu'il soit en place. Et... Ah non, on est sur Juliette là. Nous sommes actuellement sur Juliette. India, c'est l'éolienne à l'ouest de Juliette. Attends, non, on n'est pas sur Juliette. On n'est pas sur Juliette. Merde, attends. On est en 202-062. On n'est pas encore dans la zone rouge en fait. D'accord, ok. Et autant pour moi, donc objectif, c'est le point Juliette en fait. Oh la vache, ouais, j'ai complètement cru qu'on était. Ouais, non, on s'est fait avoir. On a vu une éolienne, on s'est dit c'est Juliette. C'est pas que le tank est si loin. Ok. Donc ouais, ton point, ça sera pareil, ça sera India quand même. Merde. Ça se relève, secteur 40. Ouais. Merde, je déploie trop. Merde, je recharge. J'ai dû faire 4 fois le tour sur moi-même. Avant de... Il est mort ? Ah, il est à terre, là. On va attaquer le mouvement Scarlock pour aller sur India. Objectif India, ok. India, bah plein ouest. On se déplace plein ouest. On l'ordre de progression. C'est bon. On reste pareil. Aku, t'es un binôme à toi tout seul. Ok, j'avance plein ouest. C'est parti. Je vais me mettre derrière toi. J'accélère. Vise l'éolienne à gauche. Ok, ça marche. Oh,
Oh, gros calibre à droite. Je pense que c'est le tank qui peut monter. Ah oui, c'est vrai qu'il est là-bas. Et Moscou pour l'instant maintenir le stand-by le temps que le tank finisse de se déployer. Reste sur la droite de l'éolienne. Franchis la crête ou pas? Au pas. Qui est fatigué. Okay, on fait une petite pause. Ok, non. Direction dangereuse, elle est où? C'est en face, c'est ouest. Okay, et on se remet en mouvement aussitôt. On vise la prochaine éolienne ouest. Ok. On y va, c'est parti. C'est parti. Si ça chie, tu nous emmènes sur la petite baraque à gauche. Ok, j'accélère. Encore. C'est qui souffle dans le micro. J'ai mouvement de troupes en 10. Ça a eu ça. Ça doit être les autres. Attends, je vérifie. Et c'est bien pris, fais une petite pause un instant. Ok, pause. Ouais, c'est les alliés. On continue. Parti. Et dans ce cas, Hussard, déplacez-vous entièrement sur TAC 2 ou détachez des hommes sur la situation pour confirmer que la zone est claire. En ligne pour passer la crête. Ouais, nous on est à droite. On se met mettez à droite. À droite, ouais, mettez-vous à droite. Mettez-vous à droite. Bleu, vous surveillerez nord-ouest, ouest. Et Aku, tu surveilleras ouest et sud. Ça marche. C'est parti. Bien pris. Attention, il retourne dans ma ligne de feu. Pardon. Pas de mal. On s'arrête. Aku, va voir dans le fond de la vallée. Ok, j'y vais. À la prochaine. Tu vas juste te mettre sur la crête. Nat, si tu m'entends, on n'est pas encore sur une guerre. Ouais, je sais. Bon, ça va dégager. Ok, côté nord-est, RS. Aku, reviens. RAS. Ils sont sur notre nord azimut 20. Sur l'éolienne. Ok. Ok, on se met en mouvement. Oula. Ça n'a pas pété loin là. On voit pas ce qu'ils engagent là-bas, on est caché par les armes. Les balles perdues qui viennent par ici. On continue, on va azimut. 340 vers l'éolienne? Non, plus sur la gauche. 320. Je vais aller sur les rochers 310. Ouais, mais plus sur la droite des rochers. Ok, d'accord, ça marche. Prêt. Ok. On se remet en mouvement.
de Cossacks, on arrive sur le sud d'India. Pareil, hein, les surveillés nord bleu. Nord-ouest. RS sur l'ouest et sur le sud-ouest. Parlez, ça. On a un petit muret juste en contrebas si on doit prendre position sur l'ouest. Un beau muret. Central électrique plein nord. Et dans... Oh putain. Et c'est bien pris dans ce cas, Juliette, partez sur votre sud-ouest pour aller rejoindre l'hôtel en passant derrière la position India. À coup, viens sur ma position. Ouais. Attention, allongez tout le monde. Azimut 10, on a... Et la position Juliette par le sud-ouest pour un véhicule, Bradley. C'est quel viseur sur le bordel là? Moi, j'y connais que dalle. J'en sais rien. Tu peux t'avancer s'il faut. Il doit être à, je sais pas, 150 mètres, 200 mètres. Ah, je l'ai tombé à droite du transformateur, c'est ça? Ouais, devant la maison. L'alignement d'une petite maison. Okay. La vieille, toi qui dois savoir ça sûrement. Non, je sais pas. Pour les 7 VL, tu sais pas quel mire il faut prendre? Non, ça. Ouais. Attends, je regarde si j'ai pas un document. C'est une des deux côtés, celle qui va le moins loin des deux. Laquelle, si c'est gauche ou droite? Ok, c'est celle de droite alors. Ah bah voilà. Je peux tenter un tir. Ouais, bah tu vas le faire. Hein. Tu vas pas le tenter, tu vas le réussir. Ok, back blast. T'es clair. Ok, feu. Ah bah voilà, c'est joli. J'avais pas reconnu que c'était un véhicule dans... Je le vois pas longer, moi il est dans le contrebas. Ouais, je l'avais vu, je suis resté dessus, mais je comprenais pas ce que c'était passé. T'as bien pris Scarlock? Non. Possible contact sud-sud-est, il te dit Frisbee. Sud-sud-est. Que j'entends Peter, je crois. Mais sud-sud-est? Ouais. Alors maintenant, couverture nord et ouest, hein. Je vais regarder avec... Je pense qu'ils sont juste derrière le relief en fait. On entend les départs de feu, mais on voit rien. Avec les arbres, on voit pas grand chose là. Ah ouais. Je sais pas si c'est ça. Je crois que j'ai des départs de coups à l'ouest, mais je vois rien. Ouais, ça doit être derrière le relief. Hein. On les voit pas. Peut-être mes oreilles. Tu dis quoi à coup? Non, c'est moi. Ah, je suis dans mon délire. Ouais, ça va être sur Marie okay. Ou... Tu veux qu'on se redéplace? Lointain, 200... Oh, c'est bon. Bon, on a de l'infanterie qui fait mouvement défilant droite sur la position de Hussard. Ils sont actuellement, je sais pas bien facilement, 800 mètres. Entre 600 et 800. 800 mètres? T'arrives à avoir à 800 mètres? Ouais, c'est une estimation à la louche. Ouais. Ouais, remarque si on doit pouvoir avoir à 800 mètres, peut-être. Ouais, je dirais les 600 quoi. Donc derrière le Bradley à sa droite, on a une tour d'observation. Les personnels en mouvement étaient à droite de la tour d'observation. Sur la crête. Ah ok. Le commandement pour Hussard, statut. Et t'as une coordonnée de position? Scarlock? Ouais. Tu peux jeter un œil en 305 très loin là, y'a pas une espèce d'infrastructure qui est pas sur la carte? 305, tu veux dire le haut d'une tour détruite? Ouais, comme ça. On décroche sur l'est, on reprend le relief sur l'est et on est en contrebas. On aura Frisbee qui est en train de se faire engager. On va essayer de le supporter. Okay, on va essayer de faire ça assez vite. Est. Ouais, est sur le relief. Il est entre Juliette et Marie. Donc il se fait engager dans ce secteur-là. On va essayer de le supporter Juliette en surplomb. Marie.
À tous, on se remet en mouvement, on revient sur nos pas, on fait mouvement est, plein est, jusqu'à la prochaine crête. Je suis parti, moi. C'est parti, faut qu'on aille des frisbees. On peut aller sur l'éolienne, carrément? Non, 100. Ok, Azimut, 100. D'accord, ça marche. On va switcher bleu, vous vous mettrez sur le nord-est, donc sur ma gauche, et à coup, okay. Tu seras sur ma droite. Ok. Attention, on a un groupe d'alliés, il faut qu'on les identifie avant de tirer. Ils sont en contrebas? Non, ils sont plutôt vers le nord-est. Ok, j'accélère un peu là. Ouais, faut qu'on voit dans le creux. Et ils sont où leurs ennemis? En face de nous, normalement. Dans le sens de notre progression. Ah, c'est les alliés. Non, là, on est juste à côté. Ils sont où? On est juste à côté de vous, Hussa. J'ai pas. Sur votre nord. Hussard, vous pouvez faire mouvement sur India. L'équipe Cosaque va rester en retrait pour l'instant pour vous couvrir. Ah oui, ok, d'accord. Ok, alors bon, on est un peu au milieu de rien. Là. Ouais, enfin, replace-toi si tu le souhaites, hein, y a pas de souci. Le mec isolé là-bas en 200, il est avec eux aussi? J'en sais rien. Allongé, il y a un mec allongé au pied du buisson mort là. C'est un cadavre, non. Je crois. Non. C'est un cadavre? Alors, je vais te dire ouais. Ça avec le télémètre. Ça... Oui, c'est cadavre. On va se repositionner sur l'éolienne. On va sur l'éolienne à limite 240. Ok, je viens tout juste de voir bouger un gars là-bas, donc je sais pas trop. Ah bah non, halte à coup, on bouge plus. Je pense qu'ils vont s'y mettre, notre groupe. Bon, bleu, surveillance nord et ouest. Ok, je prends l'ouest. Akou, tu surveilles sud-est. Et c'est bien pris, vous pouvez faire sud-est, ça. Sud-est, ok. Sud-est. Ouais. On leur laisse juste un peu d'avance et puis je pense qu'on va les suivre sur hôtel. Ouais. Je pense que je vais nous rapprocher parce que depuis tout à l'heure, je nous ai beaucoup trop écartés, je pense. C'est ce qui a été fatal. Véhicule lointain 340 type Bradley. Encore? Il vient de disparaître sur la contre-pointe. Il te reste encore des roquettes à coup? Une, ouais. Ah ouais, je le vois. En progression vers nous. Il en reste une anti-char. Ouais, regarde, il est passé sur la contre-pointe. Cosac, mouvement vers la position hôtel pour fuir un... Stop, j'ai un blindé, véhicule léger, 170, il vient de débarquer des troupes, non armé, léger, 170, je dirais 600 mètres. 600 mètres ouais. Ah oui, camion. Un MV, je crois. Ok. Ah ouais, un MV plutôt, ouais. Il rembarque, ils viennent vers nous. La vieille, t'es là? Ouais, je suis là. On va les cueillir. Greux ou pas greux? Donc, ouais, tu pourras greu, mais attends. Faudra attendre de voir où ils se posent. Là, tu es prêt. Ils sont arrêtés là. J'aimerais bien qu'ils arrivent plus vers nous. Là. Ils arrivent là. Le blindé revient sur nous, je répète, le blindé revient sur nous en 340. Échanger. Oh, non, attends, on reste comme ça. Il va être en contrebas. Ouais, David, tu surveilles le blindé. Hein. S'il est vraiment trop proche de nous, tu hurles. Il s'est arrêté à la chapelle. Il est au niveau de la centrale électrique là, en 340. Ils sont arrêtés. Ils sont sortis. Ouais. Ah, ils ont débarqué à la chapelle. Je vais mettre une petite grue dans le truc là. Hein. Il redémarre. Et on décroche, Cosaque, on décroche. On a un MV juste derrière nous hein, qui ouais, va. S'il surgit pas maintenant, on va décrocher avant de se prendre un blindé dans le cul quoi. Ok, on l'a ouais, perdu. Okay. On l'a perdu. On recule. Le commandement s'est bien pris, on fait mouvement vers vous. Soyez informés qu'on a un blindé sur notre nord.
Il est caché par la centrale électrique là, il est en contrebas derrière. Devant, je veux dire. Tu veux qu'on aille où, Nad ? Il est parti, Nad. Il faudrait quand même garder un œil sur, sur le hub notre arrière en tout cas. Parce que là, il est proche. Ouais. Oui. En route 280. 280, les gars. Valdré, donc bouge. Valdré, donc bouge. Ouais. Allez, allez, le chef, il me pousse au cul. Ah putain, j'aurais pu le fumer d'une grenade. Frustration, frustration. Ah, fumer du... c'est quand même pas mal blindé ce truc là. Oh, c'était un vie. Et quand ils étaient sortis, ils auraient pris plein de petits shrapnels dans la gueule. Oh putain, c'était quoi ça? Départ de coup avant droit. Je m'arrête à l'éolienne? Je sais pas, ouais, Nad, on s'arrête ici? Non, on continue, non. Hôtel? Ouais, on pousse, ouais, ils ont traité. Bien... Ok, l'autre éolienne alors, à coup. Ouais. Ok, ils sont dessus, ouais. Et Kozak va prendre la position de Hussard. Dès que c'est fait Hussard, tu peux te déplacer sur POV1 pour essayer de faire de la reconnaissance. Répète, Carlock. Non, j'ai pas parlé parce que Nada a changé. Ok. On va prendre leur position. Ok. T'as bien, pris pour l'infanterie sur le trans. Il y a un MV derrière là. Ouais, ok. MV nord. Et c'est reparti. Doudou. Ouais. Déploiement pour traiter à l'AMG si nécessaire. C'est le mien. Tout de suite. Laissez-le moi. Backblast. Si nécessaire. Doudou, t'es juste derrière. On décale 30 mètres au sud. Tu veux une distance? Il est parti où ce con là? Où est-ce qu'il est? Oui, il est parti où? Il est en contrebas 60-70. Bon, on laisse l'autre équipe dessus, on s'en fout. Doudou, sur moi. Ouais, j'arrive. À ma droite, là. Il arrive là. Engagé. Bien joué. Putain, la vache. Ah, mais c'est... Ok, c'est là qu'il parlait. Ah, ouais. Ah non, bah attends, on va garder le nôtre, là, qui va sûrement débouler... C'est pas le même. À l'est. Il était à la centrale électrique, tout à l'heure. Bah ouais, c'est lui qui est revenu là. Hein. Kozak, prenez la position de Hussard sur l'éolienne. Hussard, vous pouvez faire un mouvement sur POV. C'est lui qui est revenu. Deuxième MV encore, même direction. Mais bon, c'est le mien, putain, c'est mon MV. C'est pour toi si ça sort. Ouais. Je pense que si tu le dis avec l'accent russe, tu en auras un pour ça plus tard. J'étais tout fier de l'avoir repéré et tout. Doudou sur la crête, il défile droite. Impossible, c'est ligne de feu de Hussard. Ah, je l'entends, il est pas loin. J'écris mon nom si tu veux que je tire, ok ? Roger. C'est de type détacher ton RPG, Kozak. À coup ! Ouais. Va sur l'éolienne. J'entends Nord-Est. Je crois qu'ils ont plus de RPG. Voilà, ça c'est bien, continue. T'as besoin de moi ? C'est bon pour le RPG. T'as, il fonce dessus le con. Tire dans les pneus! Tirer sur les alliés. Attention au kit, tir croisé. Hein. Méfiez-vous, la dernière fois qu'on l'a vu, il était accompagné d'infanterie. Ok. Ils ont couru vite, hein, s'ils étaient encore là. Oh. Et je suis là. Et on va suivre que cette fois-ci, c'est la... Ouais, à coup. Ouais. Va checker le pilote du MV. Alors j'ai essayé de voir, apparemment couple il est plutôt en même temps. Je fais le tour de l'autre côté. Ah, il est mort. N'hésite pas à prendre carrément la place de l'équipe africaine. Ouais, on va se déplacer. Coucou. Excusez-moi. Maintenant on peut aller sur l'éolienne. Notre objectif c'est de situer une base qui se trouvera au nord de POV1. Bleu, surveillance nord-ouest. Un coup nord-est. Ok.
pas si j'ai fait passer l'info, mais le T80 est hors service. Hein. D'accord. Ah, c'est la grosse explosion qu'on a entendue tout à l'heure. Ouais, ils se sont fait. Même l'équipage. Merde. Ouais. Bah, ça a explosé apparemment. Et... Donc, il y a pas eu le temps de descendre. Ok, j'ai du mouvement. Ah bah c'est les amis ça. C'est les amis. Sur la crête, ouais. Nord-ouest, ok. On est tellement au taquet. Ah le mortier. Vous êtes en pas loin, il va falloir qu'on bouge. Ouais, c'était vraiment pas loin. Plus. Ça, c'est un mortier. Ça tombe encore un petit peu plus près, je pense qu'on va dégager parce que c'est qui nous a spoté ici en fait. Comme Frisbee a fait pas mal de cartons depuis ici, c'est pas impossible. Alors, on se déplace sur ton ordre. Déjà, on se déplace si ça tape où juste. On peut prendre de l'avance, on va aller où? De commandement c'est bien pris, Kozak fait mouvement sur POV1. Hussard, je te laisse trouver un axe d'approche pour prendre d'assaut cette position, c'est toi qui vas mener l'assaut. Ouf, il y a le mortier qui a pété à côté de... Bon, mortier sur POV1, on décale nord-est. C'est un mortier, d'accord. Aussi. On se met en mouvement, azimut 320. 320. Allez, à coup. Tu vises le poteau en 320. Ok. C'est parti, on suit. C'est mignon, le commandement s'est bien pris. Kozak va se mettre en place. Je vous donne le top dès qu'ils ont le visuel sur l'objectif. Oh merde! Oh putain! Wow! Putain, ça va pète bien! Y'a de l'ambiance! Ça m'a blessé! Ouais, moi aussi, ouais. Pareil. Ah bah, vous avez arrêté les éclats, moi, c'est gentil. J'ai une infrastructure en 330. Répétez derrière, comme Hussard, j'ai pris un mortier à ce moment-là. Ouais, ouais, on avance jusqu'à la crête. C'est bien. Weldrick, tu me. Essaye de choper un visuel sur l'objectif. Pas de crête. Décale un peu sur la gauche. Ah bah oui, on le voit carrément, effectivement. Attention. Ici, halt, ici. Ouais. On a l'autre groupe devant, donc c'est nickel. Torse. Scarlock essaye de choper des couverts, quelque chose qui permet d'engager depuis cette position. Je te laisse choisir dans le périmètre. Ok. Elle est en 290. On avance sur les rochers en 330. Ok, on bouge. J'essaye de taper le maire. Départ de coup avant droite. Okay, ouais. Ouais. Contact. Contact azimut 20. Azimut 20. Engage. Ok. T'engages. Soigne. J'ai vos potes. Ouais, grid. Moi j'engage. Okay. Ah si, sur le sommet là-bas. Ouais, sur le sommet. Wildrid. Il est en train de se soigner. Allez! Merde, trop. Ouais, il est là. Okay, tu peux me mettre un bandage au torse, s'il te plaît? Ok. Et Hussard, dès que prêt, vous pouvez mener l'assaut. Torse. La vieille essaie d'avoir un visuel sur Hussard pour leur fournir un appui. Ils sont juste à côté pour info. Ils sont là. C'est bon. Il y a un audio véhicule qui me fait ouais, bon, audio véhicule. Ouais, ouais. Tu les as sur la route? Il y a d'autres blessés. Ils vont prendre d'assaut, tu vois, la structure en 330. Il y a deux véhicules derrière nous. Ouais, préparez donc... peut-être les RPG parce que... Prépare-toi à coup. 330 à peu près. 330. Ouais, je vais pas me prendre le 130. Bâche. C'est lourd. Ouais, ça apparaît, c'est un léger. Non, pas, utilise pas de roquette.
Ok. C'est blindé, ils sont blindés les vitrages. Allez, débarquez, bande de... d'Américains. Y'a de l'infanterie qui arrive dans le même secteur. Ah, ils nous font des feintes. Alors, je me plante. Si, j'en ai abattu un. Une petite, ça coûte rien. Pas, ils sont dedans. Non, ils nous ont envoyé que le véhicule, mais en fait, ils ont débarqué juste avant. Oula. Donc, ça tire là. C'est au nord, ça, non? Ouais, j'ai l'impression. C'est une bise-moi à chaque fois, les enfoirés. Dans le buisson, là, qu'on voit, qui dépasse en 90. Ah, il tire plus. 90. À coup, balance des patates. On charge. Wow. Oh, c'est tout proche, là. Ok. Alors, elles font quoi mes patates là? Elles se... Putain mais... Scarlock, je me déplace 30 mètres sud. Ok, vas-y. Wildrid, accompagne-le. Ah, attends, j'ai pas suivi là. Arma. Avec la vieille. Là-bas, hop, en 200. Non, non, reviens. Il est tombé, je crois. Il est tombé là-bas en 200. Ok. C'est qui le sapeur de nouveau? Putain, c'est Goya. Pas Goyaka. Nad, on a plus de sapeur hein, pour info. J'ai oublié de dire. On aura tout sur place. Ah, elle était bien là, ça va. Non, c'est bon. Il est décédé. C'est quoi ce MV là? C'est bon, il n'y a plus le gunner. Hein. Il vient d'où lui? Pour info, Scarlock, il est en train de lancer l'assaut. Dès que c'est fait, on se retranchera tous à l'intérieur de la base. Ok, j'ai perdu la vieille. Ok, bien pris. Merde. Ah bah j'ai joué au con, je crois que j'ai plus de grenades. Il me reste un missile anti-char et un missile, je crois que ça doit être du thermobarique. Wow, j'ai mis une 300. Ah, il est pas... Ah, peut-être que là plein il est mort. Plein est. Il est au niveau du buisson qui a pas de feuilles. À droite du buisson. Un autre, à droite. Tombé. Putain. Pas moyen de déployer correctement sur ces rochers. Ouais, les malins, ils nous ont envoyé le MB vide. Ouais. Ils sont venus après. Et ils sont venus juste derrière. Et moi, comme un con. J'ai coupé le moteur du véhicule. Moi, comme un con, j'ai lâché toutes mes grues sur des conneries. Faut dire, j'en ai laissé la moitié sur Dunko. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je reprenne son sac avec les roquettes, donc je pouvais pas tout prendre. Ah ouais, ok. Les assauts comme je les aime. Y a personne qui peut prendre le gunner de la vieille? Non, tant pis. Non, tu... Moi, je continue à checker là-bas derrière. Ouais, Waldrin surveille derrière et à coup on surveille l'équipe d'assaut là, Hussard. On regarde les alentours s'il n'y a pas des renforts qui arrivent. Essaye de réparer le véhicule là si tu peux. Il y a des mecs en 350. 350 droite gauche sur la route. Vas-y, on les engage, ils engagent l'autre équipe. C'est bon.
On va encore ? Ouais, 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 350 là, sur les arbres. Plus à droite. 350 sur les arbres et les rochers, là, devant la route. Il y en a deux. Ouais, ok. Recharge. Recharge. Toujours là le mec, hein. Ils sont toujours là tous les deux. Je vais essayer de m'appuyer. Merde. Attention, attention, attention. Merci. Essayez de m'appuyer. Il s'en va en bas. Tombé. Il y en a deux autres. Encore deux autres à droite. Recharge. Encore à droite. Nad, il est là toujours ? Je suis là, je suis là. Recharge. Je pourrais balancer une thermobarique, mais... Je crois qu'ils sont couchés, hein. Ouais. Non ? Ouais, 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 ils sont couchés. Ah, il y en a qui se relèvent. À gauche. Putain, il n'y a pas un endroit où déployer correctement, ici. Non, il est tombé. Comment pour ça ? Oh. Je les vois pas. Ils ont dû. Je sais pas. Ils sont peut-être dans le camp. Tu veux toujours que j'essaye de réparer le véhicule ? Non, non, laisse tomber. Il y a un mec dedans en fait. J'avais pas fait gaffe. Ah. Commandement pour USA. Ah, ah il y en a encore. Pas le visu. Oh merde. Ok, Kozak, on fait mouvement sur la position de USA. On prend d'assaut, à notre tour. Ok, on prend d'assaut. T'entends, pour information, Kozak va lancer l'assaut à son tour, on arrive de ton sud-est. Ils sont tous morts ? Non, il y a... Je passe devant ? Ouais, vas-y. Ouais, on y va, baïonnette au canon. C'est bien prêt, on arrive. Ils sont dedans, hein, on va pas jeter de grenades ouais. Ou... Dans okay, l'intérieur, ils ont des mecs par terre, les contacts ennemis sont nord-est par rapport au camp. Ouais, bah c'est ceux sur lesquels ouais, on a tiré. On passe par la gauche ou la droite ? À gauche. Enfin, on rentre par à gauche, mais... Attends. J'ai pas vu par où ils étaient entrés. Assure la sécurisation, moi je vais aider Froggy à relever le reste du SAR. Ok. Attention, j'ai vu un fusil dépasser à droite du drapeau dans la... Non, on rentre par là, à gauche. Okay. Attention, Ali qui rentre. Ami, ami. Cette fois c'est bon. Ami qui rentre par l'ouest. L'intérieur du camp sécurisé à 100%. Eh mais il y en avait combien là derrière? J'en ai descendu 6. Et t'as besoin d'aide pour relever des gars? Fais-y un diagnose là. On va prendre la tour en détruite là. On va monter sur... Contact, azimut en fait. 30. À l'extérieur, attention, il est bon. proche. Fais-toi un diagnose. Même pas 20 mètres. Si vous avez des t'es sûr que tu veux qu'on monte ? On a des tirs côté ouest, nord-ouest. C'est bon. Portier. Carlock ? Ouais. Tu confirmes, tu veux qu'on monte ou on reste là tout le monde fait ? Non, 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 on reste là. Il y en a à l'extérieur ? Il y en avait. Ok. Non, il y en a encore moins. Comme il y a des blessés. Elle m'a dit que okay. Je l'ai retapé, mais. On peut pas. Ah ouais, il est ouais, à terre. Je suis médic, ouais, attends. Audio véhicule. Ah, ça doit être. C'est pas celui qui n'a plus de tireur. Ouais, il est pas armé celui-là, c'est bon. Ouais, je confirme. Ah, je finis de soigner. Merde, de soigner. Mortier sur nous, essayez de prendre autant d'abri que possible. Je finis de soigner. Hein. Ouais, mais relève-le surtout. Ouais, qui peut t'aider. Et bonhomme, donne-moi tes grenades. Pour la bonne cause. Il part de coup ouest.
Il y a un véhicule dans le coin encore, j'en entends un autre. Chacun son tour. Il est mort, c'est encore un MV qui erre. Donc, quelqu'un pour faire une petite blague là ? Après une épillée, ça sera bon. Elle a perdu beaucoup de sang aussi. Escarlog détache quelqu'un pour placer une charge sur le. Sur la caserne. Timer un quart d'heure. Non. Pardon pour la ligne de feu. C'est pas grave. Un quart d'heure, sérieusement ? Sérieusement, je préfère être sûr. Le MV en 300, il a le gunner ou pas ? Ou le gunner est tombé là ? Disons 10 minutes. Le gunner est tombé. Allez, attends, tu vas te réveiller. Ouais, il est tombé, je confirme. Ah ouais. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah, merci les Ricains, vous étiez bien aimable au niveau de vos grenades en tout cas. Bouge pas, je vérifie. Vous avez sauvé la vie. Oh là. Non, y'a pas de charge. Sud-est. J'ai retiré les charges dans les caisses. Ouais, c'est ah, bon. Putain. Ça va, tu vois bien ? Ouais, c'est bon, on a merci. Plus de sapeur. Ok. Enfin, sapeur, quelqu'un a récupéré des charges ? T'as perdu l'unique sapeur. Il doit y en avoir dedans, sur... dans la caisse. Il doit non, y en non, avoir dedans. J'ai retiré V10 et il n'y a plus. Si Axa, ah, avec un meurt, on y évite au Gugus là. Non, on va le faire hors PG. Ou RPG. Qui c'est qui avait les charges ? C'était les deux Tumulizards qui avaient les charges. Départ de coup est. Départ de coup est. Sud-est. Départ de coup est. Et sud, ouais. Sud. Je sais même plus où de toute façon là. Là je dirais sud, ouais, sud. Personne à l'extérieur de pas. Y'en a. Y'a quelqu'un qui est sorti ou pas là ? Non, pas sûr. Aïe 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 aïe. Qui c'est qui était dehors ? C'est moi, j'arrête pas de. Ah putain. C'est bon, je vous le dis. Mais qu'est-ce que tu fous, Fonny ? Attends, je te soigne, bouge je pas. Je balance des grenades sur les mecs qui vous tiraient dessus depuis tout à l'heure. Bouge pas, je te soigne. Je croyais que j'avais gueulé assez fort. T'en as pas marre de crever, Fonny ? Mais... Alors, ça. Si j'étais pas une tête brûlée, les cadavres sur lesquels vous êtes assis, ce ne seraient pas des cadavres. Or, c'est bras gauche, t'as pris. Putain. Bah voilà, tu nous as trouvé. Comment en tout cas, vous visez bien. Ça peut vous rassurer. Trois trous, c'est pas mal. Ça rajoutera aux 4 autres. D'habitude, je tire mal, moi, ça me surprend. J'ai augmenté mon volume, tant pis. Voilà. Ah ouais, franchement, t'as... franchement, t'as pas du tout entendu. Quoi. Ça va, tu vois bien là, tu penses que ça passe ça vite au RPG pour le PC. Qu'est-ce que c'est bon alors ? T'es ok ? Oui, merci. Oui, oui. Bon, on va essayer de manœuvrer pour faire ça alors. Ça va pas être pratique. Ah, il faudra peut-être. Au RPG, faudra peut-être pas utiliser une thermobarique. Ouais. Hein. Ouais. Il te reste une transfusion. Bon, je sens. Ah, mais t'as si, on... si le tueur se met. Oui, ah, ouais, zut, il y a le mur derrière. C'est ça le problème, c'est que j'ai peur que ou qu'il se mette, il se prenne un. Où ça, en bas ou en haut ? En haut, en haut. Je t'envoie le médecin. Sinon, on peut monter à l'étage. Il monte sur les murets et voilà. Eh ouais, on peut monter. Et bon, on va faire ça, on va juste évacuer une escouade sur deux et l'autre va faire va prendre soin de se mettre. C'est peut-être un peu trop. Ah ouais. Ça c'est classe. Ouais, c'est bien, tellement beau. Aux dernières nouvelles, il y en avait encore au sud-est. Hein. Ouais, possible, ouais. Pour l'instant, ils tirent pas, tout va bien. Que les gens gardent leur secteur là, que. On sait jamais. Ouais. Ouais, on va évacuer là. C'est une caisse de quoi ? C'est une caisse de fric, de cash ! Non, je veux pas. C'est une caisse d'explosifs dans le briefing, je crois, c'est écrit. Ah ben, on peut pas faire péter, le faire péter à la greue ou le tirer dessus comme des gros bois. Non, mais on va le faire péter avec RPG. On va devoir le faire péter au RPG, donc je pense qu'on va évacuer ton escouade d'abord. Ah, sur bon, okay. Tu retournes sur, pas POV1, mais tu sais là où on se trouvait. Est-ce qu'il y a d'autres blessés ? Ah oui, être... juste, ouais, ouais, voilà.
Pour Scarlock, ton mec il a assez de RPG, c'est bon? Pour faire les hits. Il te reste quoi comme. Thermo et AT. Ah, tu vas utiliser la T. Ouais, je vais essayer d'utiliser la T, ouais. Et donc, Hussard, tu peux faire un mouvement sur la position en question. Parce que la thermo, je pense qu'elle va t'exploser à la gueule. Hein. Parce que tu montes la T, elle va pas m'exploser à la gueule. Okay. Non, pas à cette distance-là, si tu montes sur le muret. Tu me connais pas. Tu me connais pas, ok? Alors, ce qui me ferait chier, c'est qu'il y a un bug et que tu tombes dans les vapes et on peut pas te récupérer dans les murets. Mais parlons pas de malheur. Bon, je te laisse mettre ça en place, Carlock. Assure-toi qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Attends. Ouais, ok. Oui. Personne n'est blessé ou a besoin de morphine, c'est bon. Pas pour l'instant. C'est assez proche. Oh putain, il y a le mortier qui pète. S'activer. Tu veux que je monte sur le mur là? Et si tu penses que c'est faisable, tu peux faire ça. Ouais, il y a le mortier qui pète sur nous. Elle est où la caisse? Elle est là-dedans? C'est celle-là? Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il faut péter là. Oh putain, ok. Monte sur le muret, nous on va aller de l'autre côté, Waldrin. Par contre, il est toujours occupé et on peut pas descendre le temps. Ok, ça pue le bug ça, ça pue le bug. Contrôle voilà. V pour monter. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon. Couvrez-moi. Voilà. On va faire péter la caisse au RPG, on va tester maintenant. Je couvre à côté nord-ouest. Et vas-y. Vas-y, c'est bon. J'ai rien derrière. Ok, back blast. Je pense pas, Waldrit, c'est bon. Clear. C'est clear. Ok, feu, feu, feu. Allez, descends ouais. Là. Ça va, t'es pas blessé? Non, c'est bon. Position précédente. On se replie sur la précédente. L'endroit précédent. On va essayer de remettre en état le véhicule quand même si vous y arrivez. Oh putain. Let's go. Oh, faut s'arracher là. Le mortier qui est en train de nous arracher sur le coin du nez. C'était où, par où? C'était par là. Faut pas rester là. Allez, on se casse, on se casse. On va sur la. Suivez-moi. On va en position sur POV1. On va où? Suivez-moi, suivez-moi. Pas de course. T'as mis extraction quoi? Ah oui non, c'est, ah merde. C'est à l'autre bout, c'est aléatoire. Et oui, j'avais oublié, excuse-moi. Ok à tous, on gèle le mouvement, on va repartir dans l'autre sens. Tiens, je me rends compte que ça sauce aurait pu être dans l'eau. Pourquoi ils se sont arrêtés demi-tour? L'extraction se trouve au nord-est, donc on va faire un mouvement en direction de Joseph. Hussard entame le mouvement, Kozak suit. Ah, j'avais totalement oublié que j'avais mis ça, putain. Ah là là, heureusement que tu m'as prévenu. Hein. Moi, je repartais à la base. Hein. Ouais. Ah, mais c'est cool, on peut enlever la lunette sur le RPG. Excellent. Ouais. Excellent. Je préfère limite sans la lunette, putain, quoi. Ça a pété sur la sur l'objectif, heureusement qu'on est parti. Ouais. Hein. Vous voulez vraiment péter la caisse aussi finalement? On va les suivre à coup. Tu les vois, ils okay. Sont partis. Ça marche, je suis parti. 240. Je suis parti. Et tant, on aura vu du véhicule. Hein. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ça va, ça tape sur objectif encore. C'est vraiment pas passé loin les mortiers. Hein. Et donc pour Hussard, si tu vois le point de rendez-vous, le but une fois sur Joseph, c'est de partir de plein nord-est et d'aller jusqu'au point de rendez-vous. Putain, comment on leur a mis cher les Américains? Pour une fois. Ah, je suis sûr que c'est fait exprès ça. T'as même pas besoin de tirer sur la casse finalement. Oh putain. Ouais, ça se trouve, ça, ils auraient tout pété. Ah, c'est fait exprès, c'est le mortier, il fait ce qu'il veut. Il faut pas arrêter de bouger là, parce que je crois qu'il va nous suivre à la trace. Hein. T'es sûr, Scarlock? T'es sûr? Contact avant gauche. Contact avant gauche.
Ah oui. Scar ? Ouais. On se met où par rapport à Richard ? On va se mettre sur la route. À gauche et à droite de la route. À droite, tu peux aller voir cela, t'as pas de bruit. À gauche de la route. On peut pas juste se casser et les ignorer ? Je sais pas. Ah ouais, on les voit. On voit des ombres. Ouais, ils avancent pas trop dans le bon sens. Si, ils avancent, ils vont vers la droite. Je les vois pas. Là, on les voit plus. On laisse tomber, non ? Ah, si, je les vois. Ils sont loin en 235. Là, on les revoit. Ils sont 3. 235, déplacement gauche-droite, ils sont 5. 5, ouais, il y en a encore devant. Ils sont sur la route, là, ou à côté ? Non, là, ils sont plus loin. 240, derrière les arbres. Ils sont beaucoup plus loin, ils sont dans la brume. Ouais. Je dirais 300 mètres, 400. Ah, ça y est, je les ai vus, ouais. Ils défilent droite ? Ouais. Donc, ils vont nous bloquer la route. Ils vont nous bloquer la route. Ouais, je les vois, ils sont pas tous en plus. Zach, à la limite, tu peux aller sur les arbres ou même les murets à côté de Frisbee si tu veux avoir découvert. Ah, ils sont à droite des dans trois les cailloux arbres, là-bas. 220 ? Ouais. Audio véhicule. 230. Audio véhicule nord. C'est pas l'autre là qui se balade tout le temps hein. Ouais, mon frère veut de faire gaffe dans le ouais, non, c'est bon le véhicule. Sur les rochers ? 230, on va dans les rochers. Ah ouais, ou ceux-là, ouais, j'avais pas vu qu'il y en avait des plus proches. Et des plus gros. Ah, on voit rien du tout là. Pas de visu. Ouais, pareil, ils sont juste devant les copains en plus. On pourrait se déplacer sur ceux qui sont en 250 là-bas, les rochers. Et où Starlock ? J'ai peur qu'on s'avance un peu trop. Je pense que Hussard gère, donc pour l'instant on reste ici, c'est pas... Ouais. Il y en a que 3 ou 4 en plus, non ? Ouais, ils sont 5. Ça devait être facile. Ils vont gérer, ils ont une MG et tout. Ouais. Arrière, non ? Non. J'ai l'impression d'avoir... Il y a toujours un MV qui se balade derrière nous. Non, mais ouais, côté nord. 4, j'ai cru. Ouais, je vais rester sur l'arrière, moi. Et c'est bien pris, on peut reprendre la route dans ce cas. On se remet en mouvement. On recolle sur l'autre équipe. Ok. C'est parti. Ah, il venait nous couper la route en plus. Hein. Je te laisse passer devant, à coup. Attends, ils sont arrêtés, je sais pas ce qu'ils font. Pour information, Joseph, c'est juste un point de passage, pas la peine de s'arrêter dessus. Ok, on repart. Ouais. Non, ils sont arrêtés. Il faut de voir pour la suite de la... Ouais, Nat, tu trouves qu'il y a trop de brouillard pour du moyen ? Là, ouais, ça me semble un peu beaucoup. Hein. Ouais, mais après, s'il y en a moins, c'est plus de brouillard, quoi. Okay, direction à chapelle, puis... Encore l'audio véhicule. On y va, Doudou. Ouais, mais après, t'as le cran dense, même, ça doit être vraiment très, très... Bah, dense, c'est du vrai brouillard où tu vois pas devant toi, quoi. C'est reparti. Ouais, on est reparti. En faisant joujou, j'ai vu que tu pouvais mettre du brouillard vraiment très, très dense. Où tu vois pas plus de 5 mètres, hein. Et j'ai pas vu comment ça fonctionne les paramètres, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre justement les paramètres, est-ce qu'il y a moyen de mettre l'option aléatoire ? Oui. Ouais. Ouais. C'est cool ça. En fait, avant c'était tout le temps aléatoire. Ok.
Mathieu. Ouais, c'est plus drôle. J'avais jamais joué russe Special Force, mais ça se marie bien avec Altis, je trouve, le camo. C'est pas Spartel, je crois, qui a fait les camos. Ouais, si, si, il me semble, ouais, c'est lui. Enfin, il les a récupérés, ils sont... Ouais, il a fait des mix. Ouais, ça a l'air d'être une tenue CSAT avec une camo... AF, ouais. Pas indépendant, plutôt. Bah, la tenue est CSAT, mais le camouflage est indépendant. Indépendant, ouais, c'est un mix. Il a dû rajouter... D'ailleurs, si tu vois sur l'épaule, on voit le logo. Drapeau, ouais. Qui est camouflé par un drapeau russe. Pas d'ordure. Oh bah du coup c'est bien dans le roleplay, on peut dire que c'est la marine russe qui vient nous chercher quoi. Continue tout droit. Vas-y, continue. Ça vaut mieux qu'on se mette sur une hauteur pour attendre. Oh putain, on voit pourquoi t'es chef. Il manque pas un mec Ah non. Si, ils viennent d'appeler au secours à l'aide. Raon il s'est perdu. Il y a qu'à utiliser son coute là. Ah non, enfin là franchement j'ai pas la foi de revenir en arrière quoi. Ouais, il est pas loin je pense. Et Hussard, vous pouvez temporiser, on a perdu un homme. Je crois que j'ai perdu Hussard aussi en plus. Ouais, c'est pas impossible. Toi tu te marres mais. Il nous faut le couteau de Raon, vite. Non, ils sont là. Je les ai pas perdus. Il semble que son sens de l'orientation ne soit pas très aiguisé, en fait. Raon, plus vite que le vent. Ouais, trop vite. Le problème, c'est ça, c'est qu'il nous a perdu. Il est trop vite. Bon, je vais descendre discuter avec eux. C'est pas que j'aime pas ta compagnie, mais... On a l'habitude. J'ai envoyé une fumigène sur ma position. Weldrid, tu me reçois?
Scar? Carlock? Ouais. Ah bah t'es là, Veld. Ouais. J'ai Veld avec moi, Scar, sur ta position fumée. Putain, j'ai tourné la tête 2 secondes, quoi. C'est un Scarlock, truc de ouf. Tu me reçois? Ouais, je vous reçois. Dirigez-vous à 10 300. Allez, viens. Ah! Oh.